Allez bien les amis. Go vers France et connecte tout le temps. Go vers France. C'est votre connexion. Allez-y. C'est pas votre connexion internet, hein. C'est ma connexion internet. Je fais ce que je veux de ma connexion. D'accord? Venez, écoutez, maintenant on va cuisiner. Hein. Venez, on va cuisiner. À partir de demain, je vais faire des lives en pentecôte. À partir de demain, mes contenus vont être rares. Donc, à partir de demain, vous n'aurez plus accès à beaucoup de mes contenus parce que ça va se raréfier. Le contenu va se raréfier. Voilà. Je me fais une brochette de poulet. Avec des noix, avec des brochettes de poulet, une sauce cacahuète. D'accord? Brochettes de poulet, sauce cacahuète. Une sauce cacahuète, genre. Donc, ma fameuse brochette, sauce cacahuète. Mais sinon, c'est personnel, hein. Je ne vous montre pas. Je viens juste parler et m'occuper un peu. Hein. Et je voudrais parler en cuisinant, vous comprenez? Voilà. Donc, salut, bienvenue. À partir de demain, comme j'ai dit tantôt, mes contenus vont se raréfier. Donc, je n'aurai plus beaucoup de contenu comme maintenant. Hein. Comme ça, pour vous laisser le temps de suivre tous les contenus. Oui, parce qu'on m'a aussi reproché le fait qu'on ne savait pas me suivre. Vous avez effectivement raison. Quand on a beaucoup de contenu, c'est normal, on ne sait pas suivre. Vous voyez? Non, ne vous focalisez pas ma cuisine. Hein. Ne vous focalisez pas ma cuisine. Donc, dites-moi si je mettais ça plutôt comme ça. Changer un peu la façon de faire les choses, mais les gens sont en train de me saboter là. Vous ne pouvez pas saboter quelque chose que Dieu a arrangé, vous comprenez? Vous ne pouvez pas saboter quelque chose que Dieu a arrangé. Je m'adresse aux poissonniers,
il y a toutes ces personnes qui tentent de me saboter. Vous avez peut-être réussi à me saboter. Peut-être la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, vous voyez comment les gens sont. Elle a saboté mon blog. Tu dis que je ne suis pas une star en Takata. Et c'est toi qui sabote mon blog. Mais pourquoi vous sabotez? Parce que vous avez peur de moi. Ce qui est sûr que si on veut faire, si on doit faire un examen, ou encore si on doit passer un examen pour le blog, parce qu'on s'exprime, parce qu'on. Je ne vois personne. Ce que du Cameroun a dit aujourd'hui, il a raison. Même dans le blog des Camerounais, il n'y a pas. Ça ne suit pas. C'est le moment de n'importe quoi. Entre des gens qui s'exposent nus, ou encore des blogueuses et qui montent leur sein. On n'est pas sorti de l'air. C'est vrai que c'est décevant. Donc on est arrivé au point où on ne suit même plus, personne ne regarde même plus. Parce qu'on parle des mouvements de n'importe quoi. Et je vois, j'ai entendu l'autre compte dire que One Love n'a pas publié la musique de Oshiga. Mais c'est la musique d'Oshiga. Qui peut faire la promo d'Oshiga? Si la musique d'Oshiga, si sa promotion n'a pas atteint le lieu escompté, ça a atteint toutes les plateformes possibles. Hein? Et après, on attend les retombées. Donc après une promotion, on n'attend pas les retombées. Ça veut dire. Hein? On ne va pas non plus attendre les retombées d'une promo des siècles. Non. Il y a un temps d'attente. Donc ça tourne vraiment dans tous les sens. Et je me demande si les autres musiciens ont fait pareil pour atteindre leur sommet. Maintenant, ça tourne dans tous les sens, ça tourne au drame, aux insultes, Makoso et Oshiga. Tout ça, mais ça sert à quoi finalement? Si au bout de ça, il y a peut-être qu'il y a quelque chose dans l'air. Mais bon, je dois vraiment me réinventer parce que je crois que je n'ai pas. Je vais peut-être me concentrer sur d'autres. Sur une autre. Pardon. Peut-être me concentrer sur une autre audience. Parce que l'audience des Camerounais, je n'arrive pas à. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas faire la comédie pour capter ce genre d'audience. Et parce qu'en fait, c'est une drôle d'audience, quoi. Vous voyez? C'est les ouais, par exemple, ce que les gens sont en train d'écouter. Vous voyez, bon, en fait, c'est normal. C'est comme si moi, je débarque de mon quartier Bobo. Je débarque de mon quartier Bobo, j'atterris dans un quartier, dans un ghetto. Ben, on ne va pas me comprendre. C'est exactement la même chose. Donc, après, maintenant, voilà, c'est ça. Hein. Donc, je vais passer la journée à dire ça, mais le faire tel que c'est comme ça. Mais bon, après, il ne faut pas non plus trop demander, hein, parce que les gens du ghetto ont une façon d'être. Il suffit de voir comment ces gens-là font leur direct. Franchement, parfois, on a l'impression d'être dans un. Et ça plaît, c'est bien. Mais bon, tant mieux, ceux-là qui pensent qu'ils sont sur la bonne piste. Oui, entre les mensonges, les faux buzz, les insultes, publier. Oh, Seigneur, non. C'est pas ça, c'est toi. Vous voyez qu'entre les faux buzz, les zabes, il y a toujours quelque chose d'éprouvant. Donc, ensemble, même les décryptages là, et les gens ne sont pas simples. Tout le monde est bizarre, comme cette Carole Cohen là qui se promène partout comme un fantôme ambulant. Tu peux croire qu'elle est mieux.
Ah, Seigneur, quand tu écoutes ces gens parler, quand tu les écoutes parler, tu as l'impression que ces gens-là sont d'une conscience lisse. Alors que, j'espère que je n'ai pas vraiment mouillé ça. Donc, si j'ai mis dedans, c'est foutu. Hein. Tu peux penser qu'ils sont d'une conscience lisse. Alors qu'au fond, alors, ils sont gâtés. Que Flore a dit que la reine d'Amour Joyeuse, tu crois vraiment que tu vas faire quoi? Les gens qui me suivaient sont désabonnés, oui, tant mieux. D'un côté, c'est bien, parce que c'est les gens qui venaient, ils téléphonent à ton standard pour parler et se faire écouter. Ben oui, il y a beaucoup de gens comme ça. Oh non, Seigneur. La machine ici, franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. On va finir par s'électrocuter avec ça. Oh non. Ma fille a acheté quoi comme ça, franchement. Ça coûte. Tu crois que la personne vient te sauver du mal ou vient te sauver, n'est-ce pas, du mauvais comportement, alors que la personne est en mission. 1, 2, 3, tu vas yo-yo, mouf. Pensez comment on veut ça. Et quand on veut, on ne va même pas les personnes, franchement, qui n'ont même pas, qui n'ont rien à proposer aux gens. Des bons à rien. Et c'est eux-là qu'on va n'importe quoi. Donc, je commence à comprendre votre manège. Toujours en train de vouloir tuer les autres. Et dans tout ça, les personnes que vous mettez en tête là même, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Voilà la simple monétisation. Un simple truc comme ça, bel truc, facile à faire. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Parce que vous êtes là, parce que vous ça c'est trop dur. Parce qu'il faut toujours escroquer. Voilà un autre con. Voilà un autre camp là-bas en Amérique, on appelle le poissonnier. Le voilà. Les enfants mangent l'argent sur Internet au Cameroun. Il est là, il n'arrive même pas. Mais c'est pour insulter les gens, il est là. Mais prendre sa part d'argent sur... Prendre sa part d'argent comme on prend sur Messenger, sur Facebook là. Ça le dépasse. Mais il fait sur le blog la haine. Donc ça veut dire qu'en fait, il se connecte pour attaquer les gens comme ça, pour rien. Après, il va dire que c'est le games. N'importe quoi. C'est pas le games. C'est la guerre. C'est la guerre sans sens. Vous attaquez les gens que vous ne connaissez pas. Hein? Vous assez les gens que vous ne connaissez pas. Franchement, je suis dépassé. Hein? Je suis dépassé par votre comportement. Je suis dépassé par votre comportement, comprenez? Enfin, le poissonnier, tu te prends là avec mes photos. Je sais que tu le fais. Ah, je ne sais pas que tu te prends avec mes photos. Hein? Je t'as profité. Vous êtes très mauvais, vous là, les Camerounais. Donc, je ne veux plus vous voir ici chez moi. Voilà. Allez, je vais me faire une nouvelle audience. Les malsains. Vous voyez, les gens sont désormais tellement malsains. Vous voyez, quelqu'un en train de faire sa chose, vous venez gâter. Hein? Juste comme ça pour le barat. Donc, gâter juste pour le barat. Pour rien comme ça. Allez, Seigneur, vous là.
Mais je commence à vous comprendre maintenant. Je commence à comprendre comment vous fonctionnez. Vous êtes pathétique. Voilà. Mais bon, ça c'est notre propre nature. Donc, tata lolo, tata lolo. En fait, il y a quelqu'un qui existe sur la toile. Mais non. Il n'y a pas qu'elle. Elle n'est même pas intelligente. M'a quitté les quotas à cause de Facebook. Me voilà tout ça à cause de Facebook. Et je suis toujours là. Ouais. Bon, j'étais en train de dire que nous, on est tellement méchants. Si bien que quand quelqu'un est dans des problèmes, ça vous plaît. Regardez comment ils sont en train de jubiler. Parce qu'ils se disent que j'ai des problèmes. Voilà. Vous voyez? Donc, ça incarne, donc ça veut dire que quand quelqu'un est dans la merde, ils sont contents, ils jubilent. Et si on leur demande, mais si cette personne est dans la merde, ça vous apporte quoi? Rien. Juste la satisfaction de savoir que la personne est dans la merde. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que ça devient vraiment quelque chose de... Ça fait peur tout ça. Des personnes, tu crois qu'ils sont mieux, ils viennent vers toi, mais ils sont en fait toujours dans leur esprit de dedans. Hey, Seigneur. Seigneur, Seigneur, franchement, je comprends que dans cette histoire, mais vous les ténébreux, vous êtes spéciaux. Les ténébreux sont spéciaux. Ben oui, les ténébreux sont tellement spéciaux parce que ils ont une façon d'opérer. Tu vois que du feu. Hein? Mais comme j'ai dit, Carole Cohen, je veux plus te voir chez moi. Carole Cohen. Je ne veux plus que tu commentes sur ma page. D'accord? Parce que c'est les gens comme toi là qui ont contribué à saboter ma page. Et vous avez réussi à le faire, mais ce n'est pas grave. Donc dès demain, je serai très peu visible. Écoutez, dès demain, bon, les saumons, par contre. Dès demain, je serai très peu visible. Donc, je vais faire les directs. Je vais faire très peu de directs. D'accord? Et en passant, J'ai vu une vidéo de Quinty Quinta. Elle parlait comme si j'étais dans son direct. Quinty Quinta, sache qu'il y a un faux profil. Ça ne te regarde pas, Waris. Sache qu'il y a un faux profil qui circule sur la toile avec mon nom. Bertrand Chissomon. Et il est dans les directs. Moi, je ne viens plus dans tes directs. Donc, ne pense pas que c'est moi qui étais dans ton direct tout à l'heure en train de te parler. Parce que je t'ai vu parler comme si tu t'adressais à moi. Je n'étais pas dans ton direct. Donc, notez bien qu'il y a un faux profil. Il y a un faux profil de Bertrand Chissomon qui circule sur la toile. Donc, sachez que moi, j'ai 12 000 abonnés. Donc, quand quelqu'un vous écrit, n'est-ce pas,
mettez sur eux, allez voir le nombre d'abonnés de la personne. Et ce faux profil Bertrand Chicsomon a 4 followers. Donc, je ne peux pas perdre tous mes followers. Ça n'a pas de sens. Donc, restez très, très vigilants par rapport à ça. Voilà. Bon, j'étais en train de dire qu'en fait, le blog camerounais est rempli de haine. Personne n'est mieux que l'autre. Franchement. Tout le monde est neutre de la même façon. Pas qu'il y a une team que machin, non. Zéro macabre. Non, je pleure quoi. Est-ce que tu as vu des pleurs? Je ne veux pas mettre, je veux pas des gens comme toi qui viennent en faux profil des métiers gros ventre. Tu peux voir que tu es une personne qui me connaît très bien, mais tu es en faux profil. Tu vois? Et cette personne, toi, des métiers gros ventre, tu as créé des problèmes de la veuve joyeuse et moi. N'oublie pas que tu as menti, c'est que tu es la veuve joyeuse. Alors que tu ne l'es pas. Tu vois? Donc les gens comme toi contribuent à propager la haine sur les réseaux. Et c'est bien dommage. Mais je commence à comprendre. Et j'entends, et les Camerounais, nous on est tellement hypocrites. J'ai entendu d'autres personnes chez Pasto. En train de dire à Pasto que, oh, Pasto, tu es le meilleur. Pasto. Alors, les mêmes personnes qui ont insulté Pasto, qu'il avait des dents pourries. Les mêmes personnes sont là aujourd'hui en train de dire qu'il est le meilleur. Oh, les Camerounais, vous êtes tellement faux. On est faux. On est dans la jalousie. Donc, quand l'autre aime. Donc, regardez comment vous priez que mes affaires aillent mal. Hein? Vous êtes tellement dans la haine. Voilà. Personne pour sauver l'autre. Personne pour arrêter la main de l'autre. Bon. Mais j'ai compris ça progressivement. Mais vous, les ténébreux là, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous aimez trop vous lier à moi comme ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous, tu peux être votre. Allez, je ne comprends pas. Est-ce que vous m'avez vu chez l'Ophodia? Non. Est-ce que vous me voyez parler des choses de l'Ophodia? Non. Est-ce que de l'Ophodia et moi, on est proches? Non. Mais les ténébreux sont toujours derrière moi. Mais je ne vous comprends pas. Et vous, c'est vrai que vous gâtez mes relations avec la team qui m'intéresse. Comprenez? La team qui m'intéresse, quand elle vient ici, vous insultez. Et voilà. Donc, du coup, vous voyez. Parce que c'est ça les teams, toujours en train de faucher les autres. Mais bon, Facebook, c'est pas le voie bébé. Hein. On le sait. On sait que Facebook n'est pas le voie bébé. Donc, je ne pleure pas. Hein. Ce qui est marrant, c'est que nous les Africains, on a un cœur tellement noir que, franchement, mais je ne peux pas aller dans le même sens que vous. Voilà une autre terrestre chamaleuse, une autre ténébreuse. Voilà, elle insulte jusqu'à figer. Thérèse, ma chérie, je dois venir à Washington bientôt. Hein. Tu sais que tu vas me loger. Hein. Non, pas me loger, je dois faire mon Airbnb après de Marlborough area. Ouais, Thérèse, je serai à Marlborough area l'année prochaine en janvier. Donc après toi, à m'accueillir, bon, à me rencontrer, qu'on y asse. Bon, comme tu m'avais promis, hein. Mais carrément, tu vas m'attacher, moi m'attacher, Tricia. Un homme dominant comme moi, tu m'attaches. C'est moi qui fais soumettre. Tu t'entends dire que tu vas m'attacher, Thérèse? Aïe. Ben non, est-ce que j'ai la tête d'un homme dominé? J'ai pas la tête d'un homme dominé. Non, je te ramasse pas. Non, je te ramasse pas. Pourquoi je te ramasse, Thérèse? Non, je te dis que je vais venir dans le Washington. Bon, Dégretti, s'il te plaît. Peut-être que tu es même du Camer. Peut-être Dégretti, gros ventre, c'est du Camer. Parce que c'est possible. Parce que la façon que cette personne s'intéresse à moi, je ne sais pas qui ça peut être. Je suis en train de faire un riz pilaf. Qui connaît un riz pilaf?
suis en train de faire un riz pilaf. Voilà. Là, je peux rajouter de l'eau. Maman, les gens aussi pour acheter la rouge, maman, au Facebook. Et c'est toujours être bien incité de le niquer. Donc, toutes ces pages-là qui m'insultent, sachez que moi je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas, donc vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais je ne vous suis point. Je ne vous suis guère. Quand il y a une jambiste, vous pensez vraiment que vous me faites peur avec ça? Hein? Même moi, j'attends, hey, j'attends aussi le buzz. Hein? S'il y a une jambiste pour moi, pardon, mettez, moi je vais, bon, je bouffe ça beau. Qui n'attend pas le buzz? Dès comme à mon coup, j'ai entendu dire que tu as dit qu'il y avait une jambiste sur moi. Si un djangui, pardon, mettez ça que je bouffe ma part de djangui. Je veux faire ma part de beurre. Donc, si un djangui, là, déposez ça, je bouffe. D'accord? J'ai trop cotisé, en tout cas. Donc, il est temps pour moi de bouffer. Go, djangui, djangui. Troumou, troumou. Comme si j'avais un mec, il y a un troumou. D'accord? Et si, peut-être que le djangui, là, va venir sauver ma part. Hein? Donc, pardon. Le djangui là, à ramener ça, je bouffe. Je bouffe. Oh. D'accord? Ramener ça, je vais bouffer. Comme si j'ai peur du djangui. N'importe quoi. Est-ce que moi j'ai peur du djangui? Je bouffe ça bien. Hein? Je bouffe le djangui là propre. Propre, 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 propre. Je bouffe jusqu'à lécher. Je bouffe jusqu'à lécher les mains. Donc, le poissonnier, j'attends. Je suis là et j'attends. D'accord, comme disait le bien. J'attends le djangui du poissonnier. Vous acharnez comme ça ce genre pour rien. Quelqu'un qui vous a rien fait. Hmm? Quand il insulte la matrice des femmes. Il insulte la matrice des femmes. Comme si tu étais une femme. C'est vrai que tu es aussi une femme parce qu'on baisse ton petit cul là. Mmh. Désabonnez-vous de la page de l'affranchissement. Tout ça, le mauvais cœur. Mais même le bon Dieu ne peut pas aider cette personne-là. Même le bon Dieu dans ce cas te punit parce que tu es méchante. Tu dis qu'on se désabonne de ma page. Un page que j'ai construit pendant et tu dis à tes followers de ne plus venir chez moi. Et voilà, maintenant tu as chassé aussi les abeilles. Tu as chassé les abeilles, tu as incité les abeilles. Je vais voir le 9 décembre, la gueule que vous faites là. Je vais voir qui ira à la soirée. En tout cas, moi je n'irai pas à la soirée parce qu'en fait, je ne me sens pas très proche de tout ça. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être aux prochaines festivités, hein, quand je serai bien installé dans votre communauté des blogueurs de la diaspora. Mais aller comme ça à la soirée, je ne pourrais pas parce que je ne me sens pas à l'aise. Tellement vous êtes faux que je ne me sentirais pas bien. J'aurais très peur. J'aurais très peur, tout simplement. Donc, j'aurai à des prochaines festivités organisées par la Fleur des Lys. Mais pas. C'est trop tôt. On n'a pas encore réellement fait connaissance. Et ou encore, je peux venir, hein. Je peux venir, mais en anonyme. Oui, bon, non, je peux venir. Des critiques revendre. Je peux venir, mais j'achète une place. Je rentre anonyme, quoi. Je mets une casquette et personne ne va me reconnaître. Je ne veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas que les autres, dont je viendrai en faux profil. Donc je vais m'arranger qu'on ne me reconnaisse pas. Alors je vais porter un cuir jarre
Non, je vais venir, je vais venir. Non, je vais venir, mais non, je vais dire, écoute, je me suis mal exprimé, Francesca. Je dis, prendre une table, c'est ça. Prendre une table entière, ça peut être un problème pour moi, mais une place, oui. Je vais prendre une place. Francesca, j'ai mis sous. Mais tu m'avais promis qu'on devait prendre une table, alors, Francesca. Parce que je comptais rester avec Ducamère, mon ami, pour parler avec lui, mais il m'a déposé. Bon, comme il m'a déposé, du coup, je n'ai personne avec qui parler, vous voyez. Donc, Francesca, c'est lui. Casébier, on va se retrouver là-bas ce jour-là. Mais Waris Doti Kwadeng, tu as créé un problème entre la rouleuse joyeuse et moi. Donc je ne sais pas pourquoi tu viens ici commenter comme ça. Je t'ai débloqué, mais tu n'es pas la bienvenue ici, hein. Tu comprends? Je te le dis. Donc si tu continues, je vais te bloquer. Je sais que tu aimes bien venir ici. Tu as créé un problème entre la rouleuse joyeuse et moi. Donc, sache que le problème que j'avais la jeune, c'est à cause de toi. Donc, Francesca Casimir, on va. Bon, il faut qu'on se parle en eBay, hein, comme ça, ma chérie, on se retrouve là-bas. Toi, tu vis à Paris ou bien tu vis où, toi, Francesca Casimir? On va faire ça un jar, parce que moi, je suis du jar, j'aime pas trop me frotter à la racaille. Hein. Donc, c'est pourquoi je veux être avec Francesca Casimir. Francesca Casimir, dis-moi, tu es où, Francesca Casimir? Bon, voilà. Je te mets. Je te mets. Non. Je voulais plutôt bar. Voilà. Ah, tu viens en Allemagne. Et tu vas venir comment? Donc, ça veut dire que tu viens à Paris quel jour? Ah, mon Dieu, pilaf. Ah, je mets un mon pilaf. Tu viens à Paris quel jour? Ben oui, on va prendre une place. Hein. Je veux dire, il y a la place à l'individuel. Et puis on va. Oui, mais en fait, c'est justement pour faire plaisir parce que moi, je n'écoute pas ces choses-là. Je n'écoute pas ce genre de musique. C'est vraiment pour faire plaisir à Flore. Mais je me suis beaucoup ennuyé avec le Makossa Dombolo et Dombolo. Ça sonne dans mes yeux, ça me fait un genre, j'aime pas trop. Des plus jeunes. Hein. Voilà quelqu'un qui m'appelle avec mon propre profil. Mais qu'est-ce que la personne-là me veut? C'est quoi ça? Francesca Zibi. Voilà quelqu'un qui a créé un faux profil avec mon nom. Je suis en direct, il vient me narguer pour me montrer qu'il existe. Je sais que tu existes, Bertrand Chixomon. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Bertrand Chixomon? Hein? Pourquoi tu fais ça le faux profil? Donc, Michel, bonjour. Ben, j'étais en train d'annoncer à mes followers qu'à partir de demain, vous allez peu me voir. Je ne vais pas faire un break, mais je vais un peu m'éclipser. Voilà, donc restez très actifs en coulisses. Mais vous me verrez plus trop 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 trop. Voilà. Vous qui vous plaignez. Donc il n'y aura pas de chronique au volant. Oui, parce que je me suis rendu compte que faire les directs en conduisant, c'est très risqué. Ouais. Et en plus, on peut. La police peut m'attraper, peut m'arrêter à tout moment. Hein. Donc je préfère ne plus faire. Et aussi, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de m'informer. Dans les choses que je faisais avant, j'étais trop intéressé par les chaînes des animaux, là, le Géographique White. Et je complétais ma liste des connaissances en ce qui concerne les animaux. J'étais trop en avance pour ça. Mais j'ai un retard maintenant, depuis que j'ai commencé à faire le blog. Donc, j'ai plus d'intérêt, d'autres intérêts. À part venir faire les directs. Et parfois, c'est pour se faire insulter, c'est pour entendre des choses. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ça commence à être trop. Vous voyez?
entendre les personnes comme le poissonnier te parler de ta vie, entendre les moins que rien te parler de ta vie. Ouais, des choses comme ça. Parfois, ça, au début, c'est amusant, mais ça fait plus rire. Hein. C'est plus amusant du tout. Donc, je voudrais dire à Nancy Quinto de faire très attention. Sache qu'il y a Bertrand Chiquesomon en faux profil. Mais pourquoi cette personne-là fait ça? Mais franchement, hein, elle fait juste à m'appeler. Et quand je vais recommencer à faire mes directs, je vais donner l'accès uniquement à mes followers ou encore à mes abonnés. Voilà. Même si j'ai 5 abonnés qui me regardent. Ouais, il ne faut pas mettre les organes. Oui, je te dis, il ne faut pas mettre les organes. Non, 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 je n'ai même pas d'organes, hein, Michel. Non. Je suis en train de dire qu'en fait, ça prend de la place progressivement. Au bout d'un an, tu vas voir. Au bout d'un an, tu vas avoir donc fais un marqueur maintenant dans ta vie sociale. Fais un marqueur dès le mois de décembre ou encore le mois de novembre. Et un an après, repas voir ce marqueur-là. Tu verras que ce marqueur a bougé. Et attention, pas forcément bien. Hein? Oui, parce que le temps que tu passes sur la toile chaque jour, au bout d'un an, ça fait beaucoup de temps que tu as délaissé une partie du moulin. Ma fille a vécu ici un an, je ne l'ai même pas vue. Elle est partie et hier, elle est venue me voir. J'étais en ligne, je ne l'ai pas vue alors qu'elle est partie de la maison il y a une semaine. Donc, c'est pour dire quoi? C'est ça le piège. Donc, si on ne fait pas attention, on est vite bouffé par tout ça. Hop, je sais, je n'ai pas mis assez. Ouais, j'aime pas quand il y a trop d'archives. Je vais laisser pire, oui. Donc, c'est ça le piège en fait. Voilà. Mais quand tu as compris ça, tu essaies de manager. Non, tu peux t'organiser. Hein? Mais jusqu'à là, c'est beaucoup de temps. Même si ça te prend ne serait-ce que 4 heures par semaine. 4 heures par semaine, c'est 4 heures par semaine de moins pour ta famille. Et sans compter que si tu dois clasher, parce que je me souviens. Quand je clashais en cet moment très fort là, mes filles étaient irritées, tout le monde dans la maison était me regarder un genre comme ça, même le chien. Donc je pousse et parfois je me disais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que parfois je clashais jusqu'à me transformer comme ça, jusqu'à devenir hystérique. Mais bon, sauf que là, c'est l'adrénaline en fait. Vous voyez, parce que quand tu viens de commencer ton blog, tu as envie vite de monétiser ta page, tu es animé, je te dis qu'une fois monétisé, le problème est résolu. Non, une fois monétisé, il faut continuer à progresser, sinon la monétisation aussi prend un coup. Ça veut dire que ça serait comme si tu n'étais pas monétisé puisque tes gains ne sont pas conséquents. Donc, au final, tu te rends compte que tu as fait tout ça finalement pour pas grand-chose. Voilà, donc ça c'est le piège, à ne pas tomber dedans. Et je voudrais dire que sur Facebook, personne n'est bien. Quelqu'un va venir te dire, par exemple, Michel, que oh, je vois Michel, continue, je crois que tu peux avoir de l'avenir dans le blog. Voilà, tu dois avoir, tu as ton truc, et puis tu as une bonne façon, tu te démarques déjà tu te démarques de toutes ces femmes-là qu'on voit sur le blog, hein, dans la communauté camerounaise. Pas ta façon de parler. Bon, c'est vrai qu'on va me dire que l'étoile crébienne parle très bien, mais je vous avoue que l'étoile crébienne, elle dit des choses de son contraire. Donc, c'est aussi, ça arrive à des personnes qui ne maîtrisent pas la langue. Donc, maîtriser une langue, ce n'est pas forcément dire parler. Non, c'est aussi savoir expliquer les choses courantes, oui. Dester va faire caca. Donc ça, ça avec ce rouleau. Ah, Dex, t'es chérie, tu as fait caca. Ouais, tu as fait caca. Dex, regarde. Dex, c'est avec ça que tu as fait caca. Dex, tu as fait caca. Ouais. Tu as fait caca, chérie. Bon, allez. Sors, vas-y. Tu vas avec ça. Allez, on va faire caca. On va faire caca. Donc Michel, franchement, continue comme ça. Et puis,
ce côté un peu journalistique que tu donnes à ta façon de développer, c'est très bien. Tu vois bien qu'il n'y a personne qui te allait. Parce que même les personnes, même Oshiga, qui pouvait faire le blogging, un blog un peu intello, elle est là sur la toile pour essayer de ne pas se remplir les poches. Mais ça la regarde, elle fait ce qu'elle veut. Donc un blog un peu de raquettage. Voilà, donc toi tu viens avec ton style et puis fais-le de manière naturelle. Parce que le blogging, c'est un peu comme le journalistisme. Mais il y a ce nouveau garçon là que vous m'avez posté. Donc vous m'avez posté. Docteur Machin, il faut qu'on s'intéresse un peu à ce bonhomme là. Bon, si Edith m'a posté, c'est que Edith veut que je jette un coup d'œil pour voir. Et j'ai vu ce bonhomme. Il a une bonne tête. Et puis, il a une façon de poser comme ça, de s'exprimer. Domicile. Oui, mais attends, le problème n'est pas là. C'est que les gens sur la toile camerounaise, les personnes chez qui on déroule un grand tapis rouge, c'est des personnes parfois, bon, je ne dis pas qu'ils n'en valent pas la peine, des personnes qui n'en valent pas la peine, mais parfois on se pose beaucoup de questions. Donc s'il y a la justice, ouais, il est très intéressant, mais oui, je vais prendre le temps de regarder ça. Oui, parce que Edith m'a envoyé un lien, mais je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et écouter. Oui, parce que en fait, ces choses-là, oh, ça match parfois à des heures qu'on ne s'attend pas. Oui. Donc je vais essayer de regarder tout ce qu'il a dit, hein, et puis d'écouter. Ah, je ne vois plus la notification. Ah oui, je vois. Donc, c'était il y a quelle heure? C'était il y a... Ou bien c'est toi, Michel, qui m'as envoyé ça. Ah oui, tu m'as salué. Bonsoir, Michel. Je n'avais pas vu. Bon, regardez par exemple, la veuve joyeuse, l'opération qu'elle a fait. Elle a lancé l'opération des abonnements. J'ai perdu 100 abonnés en une nuit à cause de la veuve joyeuse. Vous voyez? Mais est-ce que c'est bien de faire ça? Dans ce cas, où est le bon? Où est le fun dedans? Vous voyez? Donc, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait un côté fun. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas de côté fun, ça ne me plaît pas. Le désengage. Ben oui, je vais m'intéresser à ce qu'il dit. Oui, pourquoi pas. Parce que moi, je suis très compliqué. Hein. Parfois, ce qui m'intéresse, c'est des choses simples. Tu vois, parfois, je peux m'intéresser à quelqu'un parce que à cause de son éclat de rire, à cause de des choses qu'on ne peut pas remarquer à première vue. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez la personne. Donc, en somme, je suis quelqu'un de compliqué à cerner. Bon, c'est pourquoi les personnes qui me comprennent, je ne joue pas avec eux. Parce qu'en fait, moi, très peu de gens me comprennent. Et la personne qui a réussi à me comprendre, et franchement, et de me cerner, je ne m'amuse pas avec ces genre de personnes parce qu'ils ne sont pas nombreux en fait. Vous comprenez? C'est pourquoi parfois, mes amis, j'ai du mal à m'en débarrasser parce que j'ai du mal à en faire. Pas que je n'en trouve pas. Ça veut dire que ça ne match pas toujours. Oui, parce que pourquoi ça match? Je ne peux pas vous dire pourquoi ça match. Du jour au lendemain, vous vous trouvez en train de sympathiser avec quelqu'un sans avoir prévu. Donc généralement, tous mes amitiés, je les fais comme ça. Donc je ne calcule pas. Donc ça se fait naturellement du jour au lendemain. Voilà, donc... Et quand ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pourquoi je dis qu'en fait, je ne peux pas être ténébreux ou encore être sympathisant des ténébreux parce que je n'ai mon sang jamais vraiment. En fait, je découvre le Lofoja comment? En allant chez Dekomamou. Donc, si je parle à le Lofoja aujourd'hui ou encore si je connais le Lofoja aujourd'hui vraiment en tant que tel, attendez, je vais. Bon, quand même, je vais voir si c'est bien cerné parce que je n'ai pas goûté tout ça. Ah. Je pense que c'est prêt hein, parce que doucement.
Est-ce qu'il y a Sam ici? Ah, c'est tout le temps j'arrange ça, mais il y a toujours le bordel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de l'ophodial, techniquement, les membres ont été proches. Vous voyez? Oui, parce que quand j'ai vu qu'elle s'intéressait à Toby de Bernard, les amis bizarres comme ça, les jeunes. Bon, comment, mais comment est-ce qu'une maman comme ça peut être proche de Toby de Bernard? Ça m'a fait un genre d'entrée. Ça m'a fait un genre d'entrée. Donc en fait, et puis le Lofodia, la façon dont elle fait son blogging. Flore est la plus belle. Entre Flore et Compressor, Flore est la plus belle, la plus pulpeuse. Ben, c'est qui donne envie de lécher tout le corps. Hop. Oui. Est-ce que tu doutes, Captain Tué? Flore est la plus pulpeuse. Ah, il faut que je fasse ma couleur. Hein. Demain, je reprends le travail. Et il faut que je fasse la couleur. Ouais, ben oui, Michel, j'étais en train de dire qu'en fait, quand tu es clash ou quand tu t'énerves dans ta maison, ça touche ta famille en fait. Oui, c'est pourquoi moi. Par moment, quand je clashais, je faisais peur à ma fille aussi. Mais bon, c'est fini tout ça. Mais les ténébreux, Michel, évite les ténébreux. Michel, évite les ténébreux. Les ténébreux ne sont pas bien. Les ténébreux, regarde comment ils fonctionnent. J'ai vu, tu étais en direct aujourd'hui. Tu avais, tu avais une centaine de personnes. Ouais. Si tu es intéressante, c'est, comme je sais, tu es intéressante. On peut te suivre longtemps. Parce qu'on sait te suivre, tu te développes bien. Les 100 personnes que, par exemple, Amel Kamer, ou encore je ne sais pas qui a partagé pour que tu aies un grand nombre, ces 100 personnes-là vont revenir si ils ont été convaincus aujourd'hui. Donc, l'affaire de fabrication même, c'est pas que voilà, on te fabrique des forces. Non, on partage. Là, ceux que tu as convaincus aujourd'hui vont désormais te suivre. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez les ténébreux, quand ils vont remarquer que tu as des oracles comme ça et que tu peux parler un peu bien, attirer les followers de Lolo Fodja, ils te font ça à l'envers. Donc, ils te plombent. Ils te plombent jusqu'à te plomber. Quand ils disent plomber, hein, ça fait des plombs. Voilà. Donc, les ténébreux opèrent comme ça. Et ça, c'est pas bien. Tu vois? Tandis que dans notre team, Flo est sûr de sa capacité, de sa performance. Ça veut dire que Flo, elle est sûre de sa performance. Elle ne doute pas de sa performance. Elle peut, par exemple, lancer un catch pour t'aider. Et ça répond. Mais elle peut aussi te défabriquer. Parce que les abeilles sont les seuls types, qui sont les seuls qui suivent les gens à tort et à travers. Donc, ça veut dire que si Flo dit monter, il monte. Descend, il descend. Mais elle est ténébreuse. Dès que tu commences à avoir un peu de visibilité, ils plombent ta page. Ils ne vont plus partager. Et tu vas te retrouver seul sur ton direct. Comme Black Beauty. Quand Black Beauty avait déjà des vues, je dois te dire quelque chose, Michel. Quand j'ai commencé mon blog, quand j'étais à 2 vues, Black Beauty avait déjà assez de visibilité. Hein? Ben oui, normalement, elle devrait être déjà une blogueuse pleine maintenant, comme Nicole Ketcha. Et lancer son direct, avoir beaucoup de personnes. Mais les ténébreux l'ont plombé. Parce qu'elle parlait trop bien. Tu vois? Et résultat, bon, je dois dire, Black Beauty, moi, on a presque la même visibilité. Donc, c'est mes défis. C'est pas. Peut-être elle a un peu plus de visibilité que moi. En fait, elle est sur la toile avant moi. Hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle était dans la lumière, par exemple, elle aurait beaucoup évolué parce que dans la lumière, il y a de la place pour tout le monde. Regardez Dolé Miondo. Dolé Miondo, sans être une. Dolé Miondo ne se dit pas blogueuse.
Mais quand elle fait son direct, il y a 300 personnes, 400 personnes. Alors qu'elle fait ça pour le fun. Donc imaginez un peu que si Noël Miono voulait vivre de son blog, elle aurait vécu de son blog normalement. Vous voyez? Pourtant, Flore Delis est là. C'est ça la différence avec, avec le Lofoja. Donc dans la team de Lofoja, il n'y a que puis ou rien. Et voilà, les Comme Amougou. Le blog des Comme Amougou est basé sur le Lofoja. Donc les Comme Amougou ne peut pas faire autre chose que de. Les défendre que le Lofoja. Voilà donc, dès qu'on a beaucoup, ne veut pas d'argent du blog, il ne veut pas des projets, il ne veut rien. Il sait qu'il est là juste pour défendre Lolo. Point. Voilà. Donc, voilà la réalité en fait chez les Ténébreux. C'est pourquoi, Michel, tu ne dois pas te laisser attirer par les Ténébreux parce que les Ténébreux ne vont pas te laisser progresser. Ils n'acceptent pas. Regarde. Qui? J'ai dit les Ténébreux m'ont maintenu vers le bas pendant des mois. Et c'était une manière bien rodée. Il y avait la fille à Pispis. Quand je lance mon direct, elle vient, s'installe. Et elle confixe. Elle fait un peu comme si c'était chez elle. Et elle familiarise ça, tu vois. Et du coup, ça reste un truc très familial. Donc, ça ne se développait pas. Et puis, ça, il n'y avait personne. Donc, et voilà. Donc, et son rôle était justement de me plomber. De plomber ma page. Qu'elle m'a aidé. Elle m'a aidé. Non, jamais de la vie. Ah oui, tu as ta cible Quinto. Oui, elle t'a répondu aujourd'hui. Quinto t'a répondu aujourd'hui, Michel. Elle a dit aujourd'hui qu'elle avait dit qu'elle devait te répondre le jour que tu vas mettre ton visage. Mais comme tu as mis ton visage, elle t'a répondu. Quinto a le vent en poupe. Il y a quelqu'un qui est rentré dans son discours. Oui, ça va, Gigo le gros. Tu m'as menti que tu étais avec ma mère. Quinto t'a répondu. Quinto a le vent en poupe. Et Quinto a posté un rêve avec son mari. Il a l'air bien vieux. Hein. Ah oui. Mais est-ce que le type là niasse même Quinto? Est-ce qu'il niasse même? Ben c'est une bonne question. Est-ce qu'il niasse même? Il n'est pas frais comme le tien, hein, Michel. Bon, on n'a pas vu le visage de ton mari, mais ton mari paraît jeune. Plus jeune que le mari de Quinto et plus, voilà, un vrai white, quoi. Pas. Oui, c'est sûr qu'elle a des toits d'araignée. Parce qu'elle là, elle ne joue pas. Bon, quand tu ne commences pas, s'il te plaît. En fait, elle ne joue pas. Parce qu'une femme qui joue, si elle avait joie, elle ne devait pas être sur la toile toute la journée. Elle a passé toute la journée sur la toile. Toute la journée à danser parce qu'on a fait le bim à la rose. À danser parce qu'on a insulté la rose, a insulté compresseur. À danser le problème des gens. Hey, non, elle ne peut pas jouer, elle ne joue pas. Les femmes qui jouent, il faut d'abord voir l'homme qui est à côté. Hein? Quelqu'un est venu sur son direct tout à l'heure avec mon faux profil. Ouais, peut-être il lèche seulement. Parce que, bon, vous savez que les whites comme ça ne sont pas forts aux fesses, hein. Les whites comme ça sont très faibles aux fesses. Donc tu portes à croire qu'il est faible aux fesses, le feu sort. Mais métis, où est métis? Nada. Mais Nancy nous a raconté son histoire, hein, Michel. Son histoire est digne d'un conte de fées. L'histoire de Nancy est impressionnante. Et je vais vous raconter, mesdames et messieurs, l'histoire de Nancy Quinto. Tel que ça nous a été raconté. Nancy Quinto est menuisière. Maman, menuiserie. Donc, c'était quand j'ai dit qu'elle avait fait porter la camisole de force, en fait, on n'a pas menti. Oui, parce qu'en fait,
au début, c'était un garçon manqué. Et le fait qu'elle buguait un peu en parlant, on pensait qu'elle était folle, en fait. Vous voyez? Et elle avait un corps d'homme. Donc, la période qu'elle porte la camisole de force, c'est cette période de la transition. Et la transition a été qu'elle vient travailler avec son père dans la menuiserie de son père. Et cette menuiserie-là existe encore jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est là-bas que Nancy Kanto a fait sa transition. On va dire une transition, c'est plus mental. Parce que là, elle faisait ce qu'elle aimait en fait. Elle est née dans la peau d'une femme, mais elle aime faire des activités d'homme. Voilà. Donc, comme cette menuiserie que Kanto faisait au Cameroun. Et maman, elle dit qu'elle prenait l'avion pour venir concevoir au Cameroun. Tu as entendu ça, la Lyon. Bonsoir ma chérie. Tu es mariée. Donc, ça veut dire qu'elle s'est mariée. Bon, elle raconte l'histoire. Bon, comme c'était un homme manqué, bon, elle ne s'est pas intéressée aux hommes. Donc, tout porte à croire que Kanti Kanta aimait plutôt le Kwetu. Vous voyez? C'est plus le Kwetu qu'elle aimait. Mais, sachant qu'avec la pression de la famille, elle trouve son premier job en France, comme elle dit. À l'époque, bon, il y a toujours ce genre de contrat qui existe. Ça veut dire qu'un Français peut embaucher un Camerounais. Il suffit, n'est-ce pas, de faire les papiers nécessaires. Donc, c'est comme ça qu'elle a donc eu son premier travail en France. Donc, en fait, quand elle arrive en France, c'est en tant que garçon manqué, en fait, qu'elle vient en France travailler. Parce qu'elle rabote du bois, elle fait la menuiserie, elle porte des bonnets. Donc, un homme, quoi. Un homme, tout simplement. Et, sauf que, il y avait son cousin du village, son frère du village, qu'il a épousé avant qu'elle ne parte. Comment on doutait, puisque son côté garçon manqué, le mariage forcé qu'elle a fait avec ce garçon, c'était aussi une thérapie. Voilà, c'est comme ça que Nancy Kanto, elle voyage, elle va en France, mais quand elle veut concevoir, elle vient au Cameroun concevoir ses enfants. Donc, elle a conçu ses enfants comme ça. Donc, elle vient, le mari la nique, elle porte le bébé. Quand elle est enceinte, elle rentre en Europe, et ainsi de suite. Ouais, franchement, une histoire vraiment... Mais c'est vrai que c'est une histoire rocambolesque. D'une histoire de Gwyn, quoi. Mais Nancy Kanto, lâche-toi, vis ta vie. Tu es en Europe. Tu n'es pas obligé de dire que je te fais que tu es marié, montrer la bague. Mais tu es un homme manqué, ma chérie. Quand tu es un homme manqué, donc tu vis ta vie de l'Est. Coco Malion, tu es. Tu as raconté ça, j'ai eu la chair de poule. Donc l'affaire là qu'on avait raconté, la camisole de force, c'était vrai. Parce qu'on a fait allusion à ça, que par moment on te prenait pour un homme. Par moment on te prenait pour un homme. Aïe, Facebook. On ne peut rien cacher sur Facebook. Mais c'est vrai que tu as quelque chose d'homme en fait. Parce que quand tu parles, tu vois, comme un homme, oui, tu te forces beaucoup à être féminine. Mais c'est toujours un genre. Comme tes perruques que tu portes, c'est comme ça. Tu mets une perruque comme ça, comme les hommes qui portent la perruque pour faire le carnaval là. Tu mets soit par exemple un rouge à lèvres jaune, un rouge à lèvres violet. Un peu comme un homme qui se maquillait. Parce que les hommes, ils ne savent pas trop. Non, c'est vrai. Et même le gopro que les femmes s'y font, tu fais ta part, tu brûles les mains. Mais quand qui a les mains comme toi là, voilà, vraiment comme les hommes, même ça, tu t'es brûlé les mains en faisant. Donc vraiment comme les hommes. Hé, hey, Kanti, tu es un homme manqué, ma chérie. Donc, t'as des histoires de... Je suis marié, très devant marié, c'est dans ta tête, chouchou. Tu es un homme, ma chérie. Et normalement, tu devais essayer de vivre ce que tu aimes. C'est-à-dire vivre avec un gars que tu vas niasse. Il a fait vibrer. Vous allez vibrer à deux. Parce que ta tête, là que je vois là, il n'y a pas une queue pour toi sur terre. Parce qu'il n'y a que des langues. Et c'est toi le coudé. Ben oui, ma chérie. Ouais, c'est toi le coudé. Mais tu es là assise sur internet, comme les hommes, le matin, comme moi. Donc quand je me lève, pas, je m'assois. Toi aussi, tu fais la même chose. Mais sauf que tu oublies que
l'angaloune, ton sang, elle va au moins laver. Non, comme un homme, tu t'assois, tchac, tu commences à faire tes directs. Comme un homme. Et qu'elle dit, je vais manger un mouton. Donc, je comprends que tu sois comme ça, hein. Kaiti. Parce que quand on a une garde dans la tête, mais elle a raconté ça elle-même. C'est elle-même qui dit comment elle était un garçon manqué. Elle a raconté ça. J'étais un garçon manqué. Chut. Garçon manqué. Mais c'est pour ça qu'elle dit que j'ai toujours dit que la relation, que la, j'ai toujours dit que la façon que Quentin se comportait avec Edith, c'est sûr qu'elle était amoureuse d'Edith. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit qu'elle était sans doute amoureuse. Parce qu'on ne peut pas aimer une femme comme ça, à mon opinion, pleurer comme ça. Edith, tout le temps. Maman, l'enfant, le nom de l'enfant le trouve dans sa bouche. Donc toi, Edith, tu as tellement pleuré, Edith, si bien que tu ne lui parlais pas là. Eh Seigneur, tout porte à croire qu'elle s'imaginait déjà en train de manger le couteau de la fille d'autrui. Elle s'imaginait déjà assise comme ça, en train de tuer le couteau de la fille d'autrui. Hey, Kenta. Mais non, tu es un homme manqué, c'est vrai. Vous n'avez pas compris qui a les mêmes volets comme ça sur Internet. Quelle femme peut rater son mariage comme ça? À part une femme homme, à part ma part, à part un mapa qui. Ouais, elle fantasme jusqu'à Toudé, c'est vrai. Elle fantasme jusqu'à Toudé parce que. Une ancienne menuisière, maman, j'en ai jamais connue. Même à Ikea, j'ai pas connu les monteuses femmes. Même à Ikea, je n'ai pas connu les monteuses femmes, même menuisières. Mais non, elle met ses yeux de green sur l'enfant d'autrui jusqu'à sortir de pleurer que ma fille. Edith a compris son manège. Là, pour milliardaire. Quinta ne peut pas être une hétéro. Mais qui envoie son mari faire des clashs? Qui envoie son mari? C'est un peu comme c'est l'homme. C'est elle l'homme finalement. Mais parce que franchement, jusqu'à dire qu'elle voyage, quel homme, quelle femme voyage pour aller concevoir en Afrique? Qui? Sauf si elle vit avec une autre femme. Et elle va en Afrique concevoir avec un homme précis. Quand tu étais menuisier en France, tu vivais avec quelle femme? Dis le nom de ta femme. Parce que tu portes à croire que. Mais dis-moi un peu, Michel. Tu as une femme. Tu es marié. Tu travailles en France comme menuisière. Ton mari vit au Cameroun. Mais tu vas là-bas tomber enceinte pour venir et accoucher en France. Mais l'enfant, le mari reste seul en Afrique. On va dire que c'est un donneur de sperme. Parce qu'elle est déjà en couple avec sa femme. Sa femme à elle. Co-mari. Donc, une façon de dire qu'elle n'était pas mariée, mais elle était quand même mariée, soi-disant. Mais elle vivait avec une femme. Quinta. Ça me semble plus plausible. Parce que on ne peut pas prendre l'avion pour aller concevoir en Europe.
Mais oui, elle dit ça. Mais oui, elle dit ce qu'elle veut. C'est milliardaire, même. C'est milliardaire qui fait bien sa jeunesse. Milliardaire, c'est bien fait sa jeunesse. En tout cas, milliardaire, je te laisse parce que je te laisse quinte quinta. J'ai acheté juste un peu, mais sans plus, hein. Mais elle aime trop le aide-moi à le tester. Quand tu aimes trop le aide-moi à le tester. Dès que donc elle est en train de danser parce que la rose a insulé le compresseur. Et elle conduit comme un homme. Elle conduit avec une main. Je me suis pas remarqué qu'elle conduisait comme un homme. Et elle râle comme un homme. Oh, le gros camion. Oh, oh. Comme les hommes, maman. Hé, hey, qu'est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu comptes? Elle fait tout comme un homme. Non, c'est vrai. Juste à conduire comme un homme. Jusqu'à mettre la main sur le coude comme ça. Hi. Je rentre avec l'angala. Mais ça se voit qu'elle force la féminité. Hein? Elle force la féminité. Elle force. Non, elle est vraiment drôle, cette femme-là, Michel. Mais elle a expliqué qui elle est vraiment. C'est une gouine. Refoulée. Oui. Un peu. Une gouine refoulée. Voilà ta copine milliardaire. Carole Cohen, ta copine est là. Elle n'est pas encore venue te recruter. C'est la chasseuse de textes. Carole, à partir de demain, je serai très peu visible sur la toile. Je vais faire, je pars un break, mais je vais rester un peu en retrait. Et regarder plus les autres. Donc, vous ne me verrez plus. Je serai plus chez Michel. Si Michel fait les directs, je suis chez Michel. Et voilà. Et c'est tout. D'accord. Je dois me reposer un peu et prendre soin de moi et de ma famille. Ben oui, c'est beaucoup mieux. Je préfère comme ça un moment. Je laisse le temps à ma page de souffler un peu et aux gens de voir mes contenus. J'ai trop de contenu finalement. Donc du coup, on ne sait pas suivre. Ah oui. Bien sûr, moi aussi, je suis un milliardaire de Michel. Revenons sur Nancy Quinto. Donc, Nancy Quinto, quand on a découvert qu'elle était green, quand on l'amène à l'hôpital Jamou, c'est pour la soigner. Parce qu'à l'époque, on soignait. On avait quand même vu ça. Une jeune fille
Donc, la thérapie était qu'elle travaille comme un homme. Donc quand elle arrive, quand elle sort de l'hôpital Jameau, elle commence le métier de menuisière chez son père. Et c'est ça qui a sauvé sa vie. En fait, elle rencontre sa femme. Quand elle va travailler en France, elle rencontre sa femme. Et pour tomber enceinte, elle va au Cameroun. Tomber enceinte, parce qu'elle vivait déjà avec une femme en région parisienne. Elle ne dit pas ça. Elle s'est mariée à 45 ans. Son mariage de hier, à 45 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 45 ans. Est-ce que les femmes se marient à 45 ans? Avant, elle vivait avec une femme. Donc, le père de ses enfants, c'est la femme avec qui elle vivait avant. Vous comprenez? Ça lui est dit. Donc, le père des deux enfants noirs de Kenti Kenta, c'est le père, c'est une femme. Parce qu'elle partait tomber enceinte au Cameroun, elle rentrait en Europe à coucher. Elle a fait ça deux fois de suite. Mais dites-moi qui fait ça. Qui prend l'avion pour aller tomber enceinte, venir accoucher au Cameroun deux fois de suite, sauf une femme qui vit avec une autre femme et qu'elle va tomber enceinte au Cameroun de manière naturelle sans avoir recours à une clinique de fécondation, par exemple. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'elle a fait. Puisque elle-même, elle a dit, hein, elle a raconté comment elle voyageait pour aller tomber enceinte au Cameroun. Donc ça, c'est connu, tout le monde le sait, puisqu'elle a dit elle-même. L'homme a faux, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vais me retirer cette fois-ci. On va pas retirer. Rester un peu en retrait et me faire désirer, quoi. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a que je suis toujours en direct? 1, 2, 3, je suis en direct. Toujours en direct, toujours en direct. Ça va changer un peu tout ça. Et quand je reviens avec un projet époustouflant. Un bon panel d'animation avec deux autres blogueurs que je vais trouver. Peut-être Candy Patty peut me servir, peut se joindre à moi. Parce que je ne suis pas à l'aise dans cette façon dont on fait le blog chez nous. Ça ne me plaît pas. Bon, j'ai essayé de voir Ahmed quand même, mais même le style là, ça ne peut pas faire ça. Cette façon de faire, on doit faire de manière naturelle. Faire autrement. Voilà. La guerre. Quoi qu'on fasse, on te déclare la guerre. Tu ne fais rien, on te déclare la guerre.
Donc, je vais plus faire des vidéos maintenant. Parce que le direct, c'est bien, mais je ne vois pas vraiment trop l'intérêt parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais faire des vidéos que je veux préenregistrer et poster.